Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan Lou et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Octopath Traveler 2. Nous allons dans cet épisode continuer la mission croisée, l'aventure croisée de Temenos Ethroné. C'est parti. There's nothing here. Je ne vois rien ici. Il y a une plateforme par contre. Personne laisserait un trésor à la vue de tous. Cependant, tout le monde veillerait à y garder un indice pour se souvenir du lieu exact. Là où le jour et la nuit s'illuminent. Ça va être avec les... Il n'y a plus qu'à chercher. Ça va nous prendre des jours et des nuits. Des jours et des nuits. Ah ah ! On va alterner entre jour et nuit, et les faisceaux de lumière derrière vont nous donner un des cercles. Bravo, Throné. Vous vous révélez être une excellente assistante. Merci. Ah ah, on dirait bien que vous avez saisi quelque chose. Oh, grand détective. La vérité se trouve dans la flamme. Évidemment. Bon, si l'on en croit le nom de la caverne de la lune et du soleil, la clé de l'énigme se trouverait très certainement dans le jour et la nuit. Il va y avoir qu'un seul faisceau la nuit, puis voilà. Regardez, là il y en a 1, 2 et 3 la nuit. 1, 2 et 3. Salut, c'est donc toi. Celui où le jour et la nuit s'illuminent. Voilà. Je l'examine. Eh ben oui. But of course. Je vois. Ah, tu es de retour. Il a disparu. Là où le jour et la nuit s'illuminent. L'indice n'est pas non plus très compliqué, hein. Mais j'apprécie. Le soleil et la nuit illuminent tous les deux ce pavé. Bien joué. Encore une note. À ceux qui espèrent voir l'aube d'un autre jour. Lol. C'est un peu une menace de mort. Qui espère l'aube? Il y a autre chose. Le fragment d'un miroir sale. Ça ressemble au miroir que nous a donné Alpates. Il s'emboîte parfaitement. Ces morceaux étaient autrefois un seul miroir. Ah, je me rappelle pas qu'elle avait un miroir, mais c'est pour ça qu'elle parlait d'un miroir tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Enfin, dans l'épisode précédent pour vous, du coup. Vous êtes décidément une assistante incroyable, Throné. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des méchants qui vont spawner. Ou pas. Grâce à vous, je me suis enfin souvenu de quelque chose. Hein? L'origine du nom d'Alpates. Jadis, Aelfric, le porte-flamme, a conçu un enfant avec une humaine. Le nom de cette humaine était Alpates. Elle fait donc peut-être partie du clan héritier du dieu porte-flamme. Ce qui signifie qu'Alpates serait une descendante des dieux. Les saintes écritures font mention de cette histoire. Après la mort d'Alpates, ses enfants étaient dévastés. Aelfric transforma alors la dépouille de sa femme en un miroir. Et la lumière douce que ce dernier reflétait éclaira et soulagea la tristesse du clan. Est-ce que par hasard, ça serait... La mission d'Alpates était de protéger le miroir du clan.
Mais il y a un détail qui m'échappe. Why did she Pourquoi leave nous that l'avoir mirror? confié? A mystery. Qui sait? If she hadn't Elle been aurait pu born a vivre une child vie of the plus gods, libre si elle n'avait pas she été may une have been. descendante des dieux. She risked her life Elle a to protect risqué sa this vie pour treasure. protéger ce trésor. I'll take good J'en care of prendrai this, bien soin, Apates. Alpatès. Y a pas un teasing pour la suite? Vous avez obtenu Miroir sale. Fin de Théménos et Throné, acte 2. Il y a forcément un acte 3, non? Qu'est-ce qu'on en fait de ce miroir sale? Un miroir appartenant à Alpatès. Sa surface, il se trouve qu'il ne reflète rien du tout. Ok, et ben on va lancer un autre chapitre. Hochette ou Throné? Hochette ou Castille? On peut faire. On va faire Ikari et Agnea, puisque c'est les deux qu'on a. On va pas s'embêter. Taverne, où es-tu? Là. Hop. Bien le bonjour! Agnea et Ikari, acte 2. Agnea et Ikari sont retournés au royaume de Kou où de nombreuses lanternes sont exposées afin d'honorer les morts de guerre. Alors qu'ils observent les lanternes, Bankei les rejoint et leur fait une proposition. Les histoires croisées, il n'y a pas de combat en fait, j'ai l'impression. Waouh, comme c'est beau! Dit Ikari, tu sais ce que sont ces petites lumières? Ce sont des lanternes en papier. Elles représentent les âmes des défunts. Cette tradition est née dans la cité. C'est une façon pour les citoyens de faire leur deuil. Comme ça, même après la mort, ils restent à jamais dans les mémoires. Et c'est comme si leurs âmes éclairaient la ville. C'est vraiment magnifique. Lord Ikari. Maître Ikari. Ton, ton. What is it, Benkei? Que se passe-t-il donc, Benkei? Je me demandais, ne serait-il pas bon d'organiser le festin triomphal coutumier, n'importe quoi. Depuis toujours à coup, de grandioses festivités sont organisées pour fêter les victoires de notre nation. Nous devons également laisser le peuple vous voir en tant que ce nouveau souverain. Je refuse. Votre Majesté, mais pourquoi? Regarde donc mes concitoyens. Leurs corps et leurs esprits ne sont pas encore apaisés. Cette dernière guerre a fait beaucoup de victimes. Je ne peux décemment pas la célébrer. Les maisons n'avaient pas cramé, elles ont quand même bien reconstruites, là. Tu es vraiment gentil, Ikari. Mais ne devrais-tu pas les encourager pour qu'ils puissent tous aller de l'avant? Agnea. J'ai une idée. Et si nous organisions plutôt des festivités au nom de la mémoire des défunts? Un banquet pour pleurer nos amis morts au combat. C'est une bonne idée. Bien. Organisons ce festin commémoratif. Quelle merveilleuse proposition. Commençons les préparatifs sur le champ. Dame Agnea, nous ferez-vous l'honneur de danser pendant la réception? Moi, hein, vous êtes sûr, mais j'en serai honoré. Et avec ces touches finales, les préparatifs du festin sont terminés. Un instant, Benkei. Il nous manque encore quelques objets. Oups, veuillez excuser ma distraction. Je peux vous aider aussi. N'hésitez pas à me confier même les tâches les plus ardues. Dans ce cas, pourrais-je vous demander de me rapporter les trois objets qui nous manquent encore? Il me faut du vin d'offrande, un arbre sacré et un masque de danse. Oui, comptez sur moi.
Alors, rassembler les objets pour le festival. Paf. L'un des trois objets nécessaires pour le bon déroulement du festin commémoratif. Je vais pas m'arrêter là. N'est-ce pas? C'est vrai qu'elle peut voler elle aussi. Mais seulement niveau 26. Enfin, en fonction du niveau quoi. Pierre de lumière. Tiens, prends ça, mais c'est un secret hein. Hop. Si, si, vous avez gagné, tenez, prenez aussi. Plus, ils sont contents de me les donner quoi. Il y a un autre truc à gauche. La taverne. Salut. Vin d'offrande. Mais oui, bien sûr, prends. Hop, tu me donnes des trucs, toi. Non, le bandeau de motivation, non. Par contre, est-ce que de jour... Oh, il est plus là. Flûte. La musique qui s'est... qui s'emballait le jour, et puis... Hop. Puis la nuit, non. Tu vois, c'est pas mal. Hop. Haha. Toum, touloum. Les festivités, c'est mieux la nuit quand même. On va rester la nuit. Hop. Trésorier. Collier protecteur. T'as encore l'autre? Juste pour cette fois alors. Parfait. Voler. Tadam. Impossible à voler. Bah zut. Tous les cas je le prends mais il me le donne. Masque de danse. Si c'est vous qui me le demandez, je ne peux qu'accepter. Toum, 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 toum. Pim, 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 pim. Il s'est excité. Là le pianiste il s'est excité sur les deux touches. Tout, tout, tout. C'est dommage. Pas grand chose quoi. Les musiques sont quand même pas mal. Hein. Lui donner ce qu'il faut, oui absolument. Les musiques d'Octopath Traveler 2 sont excellentes, mais il y en a certaines comme celle-là qui sont un peu nazes. Monsieur Benkei, est-ce bien ça que vous cherchiez? Oui, parfait. Grâce à vous, tout est prêt pour la fête. Et votre danse, Dame Agnea, sera le clou du spectacle. Un instant, Benkei. Agnea aura besoin de musique pour danser, non? Oups, excusez ma distraction. Les bons musiciens ne courent pas les rues. Aurais-tu des recommandations? Maintenant que j'y pense, une rumeur court dans la cité. Il paraîtrait que depuis peu, une douce mélodie de luth s'échappe de la grotte paisible. Du luth? Entendu. Allons voir cela. Là, il y a un peu de combat. Désert sud de Kou. Oh. Combat. Let's play. What to do? Piu piu. Now it begins. Ça fait quoi déjà la dague? Vas-y, on va tenter avec ça. Ouais. Il est pas mort.
Pas mal. On gagne un PE. Bravo, Karim. Et Froné qui gagne un niveau. Excellent. Ta-da-da-da-da-da-da. Merde, c'est pas par là. Ta-da-da. Par où alors? Ah, voilà, par là. Ta 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 ta. Paf, paf. Mike. Oh, on va faire ça en vrai. Quoi ça déjà? Ah, c'est pas mal. Il y a trois ennemis. Ouais, c'est quand même pas dégueu. C'est pas énorme non plus. Okay. Tintin. Ta 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 ta. Désert est de Kou. La 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 la. Ta la ta 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 ta. Pa la 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 la. Vous avez pris l'ennemi par surprise. My turn. Allez, mourir. Who's next? Ok. There's no need for flattery. It'll rust my soul. C'est bien quand Ikari il attaque en premier, ça part vite. Par là. Par là. I shall be your opponent. Ah. Évidemment. My turn. Darkness descend. Gagnez-vous l'ombre. Open book. Non, c'est au fond lui. Au fond si. Viens là toi. Yaboum! Voilà. There's no need for flattery. Temenos qui gagne en niveau. Ça c'est bien. Grotte paisible. Danger de niveau 45. On va sauvegarder. Déjà allé, je crois, ici, non? Le sol est glissant. Fais attention. Oui, merci. Ah.
Lol. Ça va, Agnea? Désolé, je suis vraiment maladroite. Je trébuche tout le temps. Aller de l'avant, quoi qu'il arrive, c'est une de tes meilleures qualités, après tout. Prends ma main au cas où tu trébuches encore. Merci, Ikari. Tiens, qu'est-ce que c'est? On dit que la source de la lignée de Ku se trouve ici. La source. Effectivement, il y a des luttes. Ikari, cette musique. Je l'entends aussi. Avançons. Ding. Je comprends mieux pourquoi il n'y avait rien du coup. La dernière fois qu'on était allé là, il n'y avait eu que dalle. Mais c'est parce qu'en fait, pas censé y aller quoi. Bow of the hunter. Paf. Who's next? There's no need for flat. Ah, je pensais pas que ça ferait 11 000 dégâts. Et là, ça a crevé, ça se répétait quoi. Ah oui, d'accord, c'est très fort. Bon, après, c'est parce que aussi les ennemis sont faibles, mais. My turn. Paf. Very well. Paf. Rigid wings. Pam. Évidemment, t'as rien, toi. Gaboum! Hey, 11 000 quand même. Who's next? For the pride of Ku. Ta 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 ta. Le problème, c'est que là, Ikari, il a plus de pété. Pala papa. Ok. Cleaning time. You're too kind. J'ai une masse de dégâts là, hein, quand même. Thank you. How's that for you? Ta 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 da 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 da. Pile-poil 17. C'est pas beau ça. 12 000, on s'en reprend 120 dans la gueule. 120 pété. Pas mal. Tant. Tada! Pa 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 ta 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 ta. Et boum. Low, rigid wings. Pa pa pa. Allez, mourir. Time to strike. Who's next? Oh non, même pas. Ok.
my turn. Ta 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 ta. Ah, si, quand même. I take what I want. Tant, ta 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 ta. Est-ce qu'on retrouverait pas celle qui nous avait joué au début, la dernière fois? Si, si c'est elle. Et oui, c'est Yumi. Eh bien, ça fait une paix, dites-moi. Dame Yumi, nous c'était donc bien vous dont les rumeurs parlaient. Nous, je vous l'avais bien dit. Peu importe la date ou le lieu, il y a toujours quelqu'un qui parle de moi. Mais pourquoi jouez-vous ici? Seigneur Ikari, je vous attendais. Et ce faisant, je pensais à ma sœur. Hein? Qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle? Jadis, je me cachais ici avec ma sœur et nous jouions du luth. Nous avions trouvé un luth par terre, ses cordes étaient usées et son son était épouvantable. Mais pour des roturières comme nous, c'était un rêve de pouvoir toucher un instrument de musique. Un soir, nous avons surpris une conversation entre nos parents. Pourquoi as-tu donné naissance à des jumelles? Nous n'avons pas les moyens d'élever deux enfants. Nous devons abandonner l'une d'entre elles dans la montagne. Ah oui, j'étais terrifié, mais ma sœur a serré ma main tremblante dans la sienne pour me rassurer. Elle ne l'a pas lâchée jusqu'à ce que je m'endorme. Et une fois le matin venu, ma sœur avait disparu. Elle avait choisi d'elle-même de partir à ma place. Ah ouais, sympa les parents. Après cela, même seul, même dans la pauvreté, j'ai réussi à grandir et devenir une adulte. Parce que je veux bien que tu sois pauvre et tout, que tu puisses pas survivre, mais tu t'abandonnes pas un enfant, quoi. Et jour après jour, je jouais du luth et je pensais à ma sœur. Et j'ai fini par devenir joueuse de luth professionnelle. Pendant un de mes voyages, j'ai retrouvé ma sœur. Elle travaillait sous les ordres de la famille royale dans la cité du château de Kou. Hein. Et votre sœur était Tsuki, n'est-ce pas? Tout à fait, Seigneur Ikari. Et puis un jour, Tsuki est morte. Elle m'a été enlevée par la famille Kou. Effectivement. Rip. Ikari. Je sais que je ne devrais pas vous en vouloir. Pas à vous. Mais quel autre choix s'offre à moi? J'ai beau chanter et me souvenir des bons moments que j'ai passés avec Tsuki, ma tristesse persiste. Monseigneur, si je déversais votre sang, pourrais-je enfin oublier mon chagrin? Ah. On va devoir partir sur un combat, là? Vous avez raison. La famille, les Kou ont tout détruit sur leur passage. J'ai pas l'impression. J'accepte votre duel, Dame Yumi. Si cela m'était possible, j'aimerais pouvoir endosser une partie de votre tristesse. Ah bah si. Je vais faire un petit duel alors. Affronter Yumi, la soliste. Requiem d'affliction. Défier cette personne au combat. Je n'ai pas le choix. Je passerai en force. Je vous demande pardon, mais je ne peux contenir ma tristesse plus longtemps. Je sais que c'est la fin de l'épisode, mais j'ai pas le choix. Donc l'épisode durera plus longtemps. Je peux pas sauvegarder. Now it begins. Choose your next move wisely. Mais je suis désolé, mais madame, tu vas prendre très cher. Hein. J'espère. J'espère cela dit. Frappe 6 fois, on va voir les faiblesses. Okay, elle craint la lance et elle craint l'arc. Ok. Pourquoi on récupère 2 PE? C'est un PO quand on brise une armure? Ah, peut-être quand... Non, même pas. C'est chelou. I'll end this.
Avant, inflige des dégâts physiques à un ennemi avant de rester sur la défensive jusqu'au prochain mouvement. Plus la défense physique du personnage est élevée. Non, mais on va lui péter la gueule avec une lame de branle, je pense. I summon Brand, the Thunderblade. Good. Voilà. Faut pas chercher plus loin, je pense. RIP Yomi. Là, elle avait pas, elle avait aucune chance. Alors, inflige des dégâts de glace à tous les ennemis et peut les plonger dans le sommeil pendant 3 tours. Ok, alors ça, par contre, c'est pas dégueu du tout. Hein. La bénédiction dépétrifiante. On va la garder. Ça, j'aime bien. Ah, le tranchage triple est fort. En fait, tout est fort. La bénédiction dépétrifiante. C'est utile uniquement quand il y a du pétrifiant. Il y a des mobs mais pétrifiants, je sais pas si on en aura besoin. On va l'enlever. Daimyomi. Seigneur Hikari. Vous êtes puissant, en plus d'être une bonne personne. Ma sœur avait bien de la chance d'être au service de quelqu'un comme vous. Tsuki, je suis désolé. Je n'ai rien pu faire pour te venir en aide. Je suis certain que Tsuki serait heureuse de vous savoir en vie et en pleine forme. Dame Yomi, et si nous prions ensemble pour le bonheur de votre sœur? Ensemble? Pour Tsuki? Nous allons organiser un festin commémoratif, un banquet pour pleurer nos morts. Pourriez-vous jouer du luth pour nous aider à dire nos adieux à Tsuki et aux autres victimes? Seigneur Hikari. Pas mal. Tadam. Oh, jolie cette image. Je sais ce qu'est ma miniature. C'est beau. C'est putain de beau là. J'adore les jeux de lumière. À la tombée de la nuit. Encore une fois, hein, la nuit avec un N majuscule. Lorsque tu contemples ton reflet. Ok. Il y a une suite ou il n'y a pas de suite? Après, il va falloir choisir. Hein, parce que là, il y a celle-là, elle est jolie aussi. Mais c'était beau avec la pagode à côté. Tadam. À dire, c'est joli. Hein. Le jeu est très classe. Que ton cœur pur embrase la flamme, éclairant ton trajet. Et au bout du monde, tu seras conduit. Petit mouvement de caméra qui rajoute un peu de profondeur. C'est très discret. Mais ça dynamise le tout. Tsuki. Tran. 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 La tombée de la nuit. Ça va pas nous le refaire. On vient de le lire. Vint les ténèbres au fond de ton cœur enfoui. Enfin, de ton cœur enfoui plutôt. Non, c'est pas la même, ça va. Elles jouaient toutes les deux. Elles jouaient toutes les deux. Sad. Pourquoi faut qu'il y ait des morts aussi dans les jeux? Va et protège la flamme. Toi seul peux la sauver. Encore une fois, la flamme. La nuit et la flamme. Ouais, là, c'est deux thèmes qui reviennent. Hein. Très très fortement.
pour que sa douce clarté éclaire le monde entier. Hey, je vois que tu t'en sors désormais beaucoup mieux que moi, Yomi. C'est grâce à toi, Atsuki. Pas du tout, ma chère sœur. C'est là le chemin que tu as choisi. Quant à moi, j'ai également fait mon choix. Je suis certaine que le Seigneur Hikari éclairera le monde de son éclatante lumière. Je vois que tes sentiments pour lui sont plus forts que jamais, Atsuki. Atsuki, n'est-il pas quelque chose que je puisse faire pour toi? Je veux te remercier pour ce que tu as fait pour moi il y a des années. Dans ce cas, pourrais-je te demander de jouer du luth encore un peu? Le son de ton luth m'apaise. S'il te plaît, Yomi, encore un peu. On peut remercier le frère. Hein. Enfin, le demi-frère plutôt d'Ikari. Quel connard celui-là aussi. Heureusement qu'il est mort maintenant. Ding, ding, ding. À la tombée de la nuit. Ding. Les ténèbres au fond de ton cœur enfouies. Je refais la même au fond de ton cœur enfoui. C'est quand même pas compliqué. Plein. Ok, on repart sur plan de caméra inversé. Va et protège la flamme, toi seul peux la sauver. Pour que sa douce clarté éclaire le monde entier. Elle lui redit elle refait la même chanson pour sa sœur défunte. C'est triste et c'est beau. Bien joué. C'est la fin de Agnea et Ikari acte 2. Avons-nous un acte 3? Non. Pas encore. Je suppose qu'il y en a un. Laissez ça comme ça. Hein. Hop. Là, t'es quand même à 15 000. Hein. PE décuplé. Ah, c'est fort ça. Est-ce que je te laisse marchand? On s'en fout de ça. Hein. On s'en fout. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.